un rassemblement de fans de Renault, où j'ai rencontré un autre artiste, Eric Torel, qui lui reprenait les chansons de Renault sur scène, et il m'a dit, mais pourquoi tu ne te lances pas? J'ai regardé, j'ai dit, mais t'es fou, quoi, j'ai pas ce qu'il faut. Il m'a dit, si tu travailles, c'est beaucoup de boulot, mais tu peux y arriver, quoi. Et effectivement, j'ai écouté ses conseils, on est encore en contact à l'heure actuelle, on s'échange, il me donne ses avis et tout ça. Et voilà quoi. Eh bien voilà, alors tu me disais hors antenne que cette chanson, tu l'as composée sur un rien de temps, au volant de ta voiture. Exactement, oui, je revenais donc d'être allé voir ma compagne. Oui. Et on habitait à un peu plus de 100 km l'un de l'autre. Et la chanson m'est venue comme ça d'un coup, donc je me suis arrêté sur le bas de côté de la route et j'ai enregistré sur mon GSM le début de cette chanson. Puis une fois rentré à la maison, j'ai fait vraiment le texte complet. Il a fallu un peu de temps. Elle a d'abord été interprétée en a cappella parce qu'elle faisait pas mal de soirées karaoké. Elle a été interprétée en a cappella. Et puis j'ai eu la chance justement de collaborer avec Yves Lodex, le compositeur d'Éric Torel dont je parlais tout à l'heure. Et de là est née cette chanson qui sera sur mon second album.